J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello everyone, I hope you are all doing well today. In this short video, I'm going to make this snack with coconut. So it's just a camera. How do you say it? La noix de coco caramélisée. I don't know how to say it in English. Donc je dois faire la noix de coco caramélisée, comme j'ai dit, vous voyez. Ça c'est ma noix que j'ai cassée au préalable, so I just broke it and removed from the chef and I'm just trying to grate it. Donc je vais tout simplement gratter ma noix de coco et on va continuer. Merci à tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne YouTube, Les Délices de Massan. So thank you so much to those who have subscribed to my YouTube channel, Les Délices de Massan. Et j'invite aussi tout le monde à souscrire à cette chaîne pour découvrir mes délicieuses recettes saines. So I'm also inviting everyone who have not subscribed yet, please do so. And I'm also going to thank all my visitors. Donc si vous avez tout simplement visité la chaîne Les Délices de Massan, je vous remercie beaucoup. Mais je vous rappelle aussi de rentrer souscrire. So I'm going to pour the sugar in a pan. This is 1 cup of sugar. Donc je suis en train de verser comme ça le sucre dans la poêle. Et rien d'autre, nothing else. And I'm just going to stir my sugar until it is all melted. A little bit brown. Donc je vais remuer mon sucre comme ça tout simplement jusqu'à ce que ça fonde complètement. Et vous voyez à côté, j'ai déjà fini de gratter ma noix. So I'm done grating my coconut. You see how my sugar is melting already. Vous voyez comment le sucre la fond déjà. Et à ce niveau, continuez à feu doux, pardon, parce que ça brûle très vite. From this type, please, continue with slow cook. Because the sugar burns very quickly, very easily. I'm not going to let mine turn too brown. Donc je ne vais pas laisser ma pâte devenir très marron parce que ça sera amer. When it's too brown, it's bitter. So at this stage, you can add any flavor of your choice. Donc à ce niveau, si vous voulez que ce soit aromatisé, vous pouvez ajouter votre arôme de choix. Et ça peut être de la vanille, le ginger, l'ananas, tout ce que vous voulez. You can add vanilla, ginger, pineapple, whatever you want to add. But I'm going to do mine naturally. I'm not adding any flavor. My sugar has melted completely. Mon sucre est complètement fondu. Donc je vais commencer à ajouter la noix et je mélange. So I'm adding my coconut and then I stir it as quick as I add it. Et plus vous ajoutez la noix, moins ça va être dur. So the more you add the coconut, it's gonna be soft. So if you have less coconut and more sugar, it's going to be very hard. It's up to you. It depends on what you want. If you want it really crunchy, really hard, don't add enough coconut. Donc si vous voulez que ce soit très dur, n'ajoutez pas beaucoup de noix. So I'm just going to stir it until I have everything well combined, well mixed. Donc je continue d'ajouter et mélanger jusqu'à ce que j'ai la texture que je désire. So I don't want it to stick on my cutting board. That's why I want to add the aluminium foil and pour on top. Donc je ne veux pas que ça colle sur mon plancher. C'est pour ça que vous voyez, je mets ce papier aluminium comme ça. Avant de verser au-dessus. And now, I'm just going to pour the whole thing. Donc vous voyez, tout est bien mélangé. Je vais verser comme ça le contenu sur le papier aluminium. Donc je vais étaler pour que ça se refroidisse un peu, mais pas complètement, parce que si ça se refroidit trop, on ne peut plus faire les boules avec. So I'm just going to spread it to let it cool down the way that I can still touch it, because now, if I touch here, it's burning. I can't make my balls now, my shape now. So I'm going to allow it maybe in 3 to 5 minutes and then I will come back. So now you can make the shape of your choice. Donc maintenant vous pouvez faire les formes que vous voulez. Moi je vais faire tout simplement les balls. So I'm just going to make all the balls, like everything round, but it's up to you. So this is what I do. I take how much I want. Donc je prends la quantité que je veux. Parce que les gens sont en train de regarder.
Attendez que ce soit prêt. C'est pour ça que je prends petit petit. Pour que ça suffise à tout le monde. Donc je vais faire exactement la même chose comme ça. Jusqu'à ce que j'ai tout emballé. So I'm going to do exactly the same thing. Until I'm done forming my shapes. So if you want to serve it now, it's okay. But if you want to save some for later, this is what you can do. Donc ça, c'est ce que je fais si je veux garder l'autre pour plus tard. Donc je prends le plastique. Je prends la boule, je mets dessus. Et puis, j'attache. Ouais, non. Et vous mettez tout simplement dans un récipient là où les enfants peuvent prendre pour manger. So you stick it in a container where your kid can get and, you know, have a good time. Donc je vais répéter le même processus jusqu'à emballer tout si j'ai envie d'emballer tout. So I'm going to repeat the same process until I'm done wrapping everything. So thank you guys for watching. Merci à tous de regarder. So guys, this is enough to make my family and visitors happy. Donc vous voyez, c'est suffisant pour que les gens soient contents. Non? À la maison, ceux qui passent disent bonjour à ma sœur, chacun attrape un et puis vous voyez, c'est bien. Alright, on se voit à la prochaine vidéo. So see you in my next video. Bye. I love you all. Je vous aime beaucoup, hein. Bye.